Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenomfly et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour essayer de ne pas avoir peur en ce jour d'Halloween. Parce que oui, les amis, je vous avais fait un petit post sur Instagram et Facebook et je vous avais laissé la possibilité de voter pour ce que nous on allait pouvoir faire en ce jour d'Halloween. Et vous avez été nombreux à avoir choisi qu'aujourd'hui, nous allions faire un essayer de ne pas avoir peur. Du coup, pour aujourd'hui les amis, je suis un petit peu allé sur YouTube, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Et aujourd'hui, on va se regarder une compilation de 20 screamers issus de films d'horreur. Et on va essayer tout simplement de réussir ce challenge. Enfin, je vais essayer de réussir ce challenge, mais vous pouvez le faire aussi avec moi à travers cette vidéo, bien évidemment. C'est autant en profiter tous ensemble et essayer de passer un agréable moment. Ou plutôt, on va essayer de ne pas avoir peur. Je vous assure, c'est terrible comme sensation. Allez, du coup les amis, trêve de blabla, on est parti pour cette compilation. Alors bien évidemment, n'oubliez pas, si vous kiffez la vidéo, n'oubliez pas de me mettre un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo, de vous abonner en masse à ma chaîne YouTube et de la partager tout autour de vous pour aider la chaîne à grandir. Et c'est tout ça, gros big up à vous. Merci les amis, et du coup, trêve de blabla, assez parlé. Et on est parti pour essayer de ne pas avoir peur. Bon, et ben les amis, nous voilà, on est prêts, on est parti pour essayer de ne pas avoir peur. Avec cette compilation donc de 20 jumpscares issus de films d'horreur, j'espère que je vais tenir longtemps. J'espère surtout que je vais réussir ce challenge, même si je suis sûr et certain qu'il y a certains jumpscares qui vont me faire peur. Parce que je sais qu'il y a certains films d'horreur qui sont susceptibles de me faire au moins sursauter. On va voir maintenant, parce que je ne me suis pas spoilé du tout, je ne sais pas à quoi m'attendre dans cette compilation. Donc, chez vous, n'hésitez pas à faire la même chose que moi et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires à quel jumpscare vous êtes arrivé pour voir un petit peu, tout simplement, qui est arrivé le plus loin, ça pourrait être marrant. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour essayer de ne pas avoir peur. Alors, bien évidemment, au niveau des règles, je n'ai pas le droit de crier et je n'ai pas le droit non plus de sursauter, donc je n'ai pas le droit de faire ça. Ou alors de ne fût-ce que hausser les sourcils. Donc, si jamais je ne vois pas que j'ai peur, et de toute façon je le verrai dans les rushs vidéo et je corrigerai la chose en post-tournage, mais bon, de toute façon j'ai le retour de caméra, donc normalement il devrait pas y avoir de soucis. Bon allez, c'est parti, let's go. Premier jumpscare, issu du film Sinister. Ok. Ok, ça commence déjà fort. Ouais, pas de problème. Pour le moment, c'est très calme. Pour le moment, il n'y a rien. J'ai eu très très chaud. J'ai failli avoir peur. Rien que le bruit. Je suis vraiment passé pas loin. La chose là dans le coin, ça fait vachement peur quand même. Mais ça devrait le faire. Ah ben non, là je cligne des yeux un petit peu parce que j'ai le retour de lumière, mais sinon vous en faites pas. Ouais, ça je le connaissais donc ça y a pas de soucis. Ah, The Descent, ça je l'ai regardé ce film là. Et je vous avoue que j'en ai frissonné et j'en ai fait des cauchemars. Celui-là je le connais. D'ailleurs, c'est un très bon film, je vous le recommande. Elles sont effrayées. Vous allez voir de quoi, hein. Vous allez comprendre très vite de quoi. Ça va, pas de soucis. Alors, The Ring. Ça devrait le faire aussi. Je sais déjà d'où ça va venir. Donc normalement, ça devrait le faire. Ça va pas avoir trop peur. Voilà. Et c'est tout. Ah, Saw, ça paraît une saga terrible, ça, Saw. D'ailleurs, ils sont en train d'en tourner à nouveau. Au moment où je tourne cette vidéo.
Normalement, ça devrait aller aussi. Mais très 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 grande saga. Je la conseille aussi si vous êtes fan d'horreur gore. Franchement, c'est le top. Ah ouais, je me souviens cette scène. Je me souviens. Je vais rien vous dire. Je vais juste aller faire la gueule. Voilà. Ah, REC, pareil. REC, je connais très bien ce film. Génial. D'ailleurs, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Je l'ai revisionné il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Attention. Alors, Vendredi 13, très grand classique. Hein. Ça, pareil, je vous le recommande. Hein. C'est un classique dans l'horreur. C'est un grand classique. Voilà. The Orphanage. Ça, je connais pas du tout, par contre. Westworld, Jurassic Park. Bon, ça devrait faire aussi. C'est pas énorme non plus. Alors, Salem Slot. Ça, je connais, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé. Donc, j'aurais pu vous dire quoi ou qu'est-ce. Normalement, ça devrait le faire. C'est plus des effets sonores. Hein. A Tale of Two Sisters. Ça, je connais pas du tout, par contre. Pour le moment, je pense que tout va bien. Il y a juste eu le tout premier que j'ai failli vraiment avoir très très peur. Mais c'est juste le son qui m'a fait peur. C'est même pas le screamer, quoi. Ça qui est fou. Ça va. Seven. Ça, je connais. C'est avec le tueur en série. He's laughing at us. You got what you deserved. They're all gonna come after you now, and not just Dark the mob. Knight. Politicians, journalists, huit, hein? Cops, pas mal. Anyone whose wallet's about to get lighter. Are you up to it? You better be. If they get anything on you, and those criminals are back on the streets, followed swiftly by you and me. Ça va, c'est très très calme. Mulholland Drive. Je ne connais pas du tout par contre. Il va y avoir un truc au coin du mur. Je le sens à des kilomètres. Ouais. Waouh, c'est fou comme on a eu peur. Le Seigneur des Anneaux. Ah, je vois c'est lequel de streamer. Je vois c'est lequel. C'est un jumpscare spécial, celui-là. Donc il n'y a pas que des films d'horreur dans cette compil. Celui-là, c'est plutôt de la fantasy. Fantasy aventure. Voilà. Bon, ça, je m'y attendais, je le connais par cœur, c'est un des amis. Alors, Sims, ça, je connais aussi. Ça, pareil, ça devrait aller tout seul. Comment on va avoir peur. Wow. Là, c'était pas un sourcillement de oh, j'ai peur. Là, c'était vraiment un wow, incroyable. On voit vraiment les. Il y a des effets spéciaux, c'est terrible comment ils sont mal foutus quand même.
Mais bon, je vais pas non plus faire le malin parce que je suis pas capable non plus de faire des trucs comme je suis capable de faire. Alors ça, qu'est-ce que c'est par contre? Comme streamer, parce que je connais pas du tout ce Now, streamer. Clark. And Clark was human, huh? Which makes you a murderer, don't it? Palmer now. This is pure nonsense. Doesn't prove a thing. I thought you'd feel that way, Gary. You were the only one that could have got that blood. We'll do you last. Ça a failli me faire peur. Ça a failli. Mais non. Alors, exorciste 3. Les exorcistes, généralement, ça c'est hardcore, ça. Ça c'est hardcore. Là, je risque d'avoir vraiment peur, par contre. J'en ai déjà des frissons. Je sais pas si ça se voit d'ici. Et là, j'ai déjà les poils qui se dressent. Parce que je pense savoir ça va être lequel. Je sais pas. Ça fait tellement longtemps que je sais plus comment ni quand ça va arriver. Ça, on est déjà au 2, tiens, on est vraiment bien. Alors Carrie, ça c'est encore un grand classique aussi, je vous le recommande, grand classique. Ah, Jaws. Les dents de la mer. Bon, ça c'était pas ouf. Bon, bah, je crois qu'on a réussi, les amis. Là, ah bah je m'attendais à pire que ça. Bah franchement, au top. Hein. Oula, par contre, ça a failli tomber. Tout va bien. Ah oh bah on a réussi. Bon bah je suis très content les amis, on a réussi ce challenge. Eh bah c'est parfait. Du coup, eh bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah, dites-moi dans les commentaires jusqu'à quel streamer vous êtes arrivé. En tout cas, moi je suis arrivé jusqu'au bout. Maintenant, je vous avoue que ça s'est joué à très peu de choses sur 2-3. Mais je n'ai pas eu peur. Donc franchement... ça va tranquille. Donc, si jamais vous voulez que je refasse une vidéo, essayez de ne pas avoir peur, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ou de me balancer un maximum de pouces bleus et je ferai en sorte de vous faire plaisir. Et bien évidemment, si vous êtes nouveau ou que ce n'est pas encore fait, bah, n'hésitez pas à vous abonner en masse à ma chaîne YouTube, de partager la chaîne autour de vous pour aider celle-ci à grandir. Et je fais tout ça, gros big up à vous. Merci les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao, portez-vous bien et surtout... joyeux Halloween! Oh yeah!